spectacle s'appelle Zéro Grammy, Zéro Gramme en français, une pièce légère mêlant mime et danse. C'est un spectacle qui est inspiré par l'idée du vide et de ce qu'il peut se passer dans une journée vide, qui est en fait la journée des enfants, qui est pleine de petites choses sans une réelle nécessité. Durant une heure, Emanuele et Stefano interprètent deux personnages aux faux airs de clowns, parfois tristes et parfois gais, des scènes souvent burlesques, inspirées de la vie quotidienne, un spectacle destiné aux adultes au départ et qu'ils proposent aujourd'hui aux jeunes publics. L'idée d'absurde, on peut la donner qu'à travers la poésie, pas à travers un langage narratif. Les Italiens, dans les théâtres pour les enfants, ils ne sont pas habitués à voir de la danse. En France, c'est presque le contraire. Et ça, c'est bien. En fait, on a vu que les enfants, ils rigolent beaucoup, surtout dans la première partie, qui en fait est la plus abstraite. Zéro Grammy, l'un des 12 spectacles proposés par le TNG dans le cadre de son festival Régénération, dont c'est la 4e édition cette année. Un festival qui accueille des troupes venues des quatre coins de la France, mais aussi et de plus en plus de l'étranger. C'est vrai que chacun des pays a une petite façon légèrement différente de rencontrer ses publics. Mais ce qui nous intéresse, c'est de montrer la jeune création dans notre région, dans notre pays, mais aussi ailleurs. Régénération, un festival à découvrir jusqu'au 13 janvier prochain au TNG de Vaise. Se rappeler qu'hier le monde était plat, aujourd'hui il est rond et demain on ne sait pas.